Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez voir, on fait une sortie, on fait deux sorties avec Julien, Natural Bar Fishing. Et on s'est éclaté, bon, surtout Julien a fait beaucoup de vieilles. Mais bon, on est toujours dans des endroits avec des beaux cadres et tout. On a passé des super moments, c'est génial. Voilà, et bah, je vous remercie, on a eu plus de 6000 abonnés maintenant, ça m'incite vraiment à continuer. Et bah, vous, tous ceux qui me posent des questions sur Instagram, Facebook, je suis désolé là en message privé, mais je peux plus vous répondre, là je suis en train d'exploser. Il y a vraiment, ça fait trop de demandes, trop de monde, et je peux pas me diviser en 15, j'ai au moins 20 messages par jour. Donc je peux pas vous répondre, ça me prend trop de temps. Donc posez-moi les questions plutôt dans YouTube. Et aussi en bas des vidéos, dans les descriptions des vidéos, je mets souvent les liens, parce qu'on me demande souvent... les liens des leurs, tout ça, là, putain, déjà il est en train de foutre son... Putain, les animaux, je te jure, hein. Tu seras un poisson, je t'aurais déjà bouffé, toi. Regarde ça, là. Elle est belle, hein. Elle, elle bouffe tout le temps du poisson, c'est une super copine, aussi, hein. Donc, voilà, posez-moi plutôt vos questions sur YouTube, directement. Donc, vous allez dans la description, et puis vous regardez en bas, dans la description, souvent, je mets le matériel que j'utilise. Donc ça m'évitera de vous répondre. Je dis pas que vous êtes bête, attention. Voilà, bah, je vous souhaite un bon visionnage et puis à très bientôt. Salut et vive la pêche. Oh, je sais pas, un bar je pense. Si, il doit être pas mal, il doit pas être mal. Hein. C'en est un? Ouais. Un petit haut. Un petit. Là-bas quand même, un putain de merde. Wouhouhou. Ouais, ça fait plaisir, hein, putain, non. Bon, il est tout petit, et il a bien tiré, hein. Alors, tu vois que la lame, ça marche. Ouais, juste. C'est les meilleurs. Il y en a qui vont faire la gueule, tant pis. Moi j'ai faim là. Ah, il est pas très gros, hein, tu me diras celui-là. Il doit être juste, hein, il doit faire ses 42 juste. Ah, il les fait, je le garde, je m'en fous. Je le garde. Ça fait vraiment petit. Hein. Ouais, non, je l'ai pris entre les deux, ouais. Tu vois, entre les deux, de toute façon, il est peut-être sorti du bouillon, hein, il est suivi. Hein. C'est les meilleurs à bouffer les petits. Les gros, je les remets hein, toujours. Hein. Quand j'y arrive. Je te demande comment on fait, nous, Robert. Ah, crac hein. Ah, bah, tu le saignes tout de suite, toi. Ouais. Tu enlèves les ouïes. Non. Tu pètes les ouïes. Juste ça. Ah, ouais, tu lui mets un coup dans la colonne. Ouais, les gars. Tu fais pas piquer vêtements. Non, en vrai, il est beau, il est bien grand. Ouais, il fait 42, ouais. Non, on prend les deux ouïes ici. Ouais. On écarte. Ah, ouais, d'accord. Des deux côtés. Moi je les sors carrément. Oui. Ah ouais, ça fait plus propre. Ouais, comme ça il est saigné direct et ça. En fait, ça sort. Le tinaire, il est. On le voit là. Ouais. Le tinaire, il est juste là. D'accord. Et après, bah, nous habituellement, je le mets dans une. Dans une caisse direct. Dans une caisse et. Salut les gars. Joli petit bar, hein. C'est du bien. Bon bah c'est sympa, ça évite la putain de bredouille là, que ça partait mal là. Comment elle se bat? C'était une vieille. Ouais, mais elle avait la frite. Ouais, j'affaire quoi, là. La lame, elles aiment bien aussi les vieilles. Quand tu traînes au fond, elles te la prennent. Oh, oh putain, merde. Oh yeah! C'en est une? Ça va pas en Bretagne pour rien! Elle est mignonne! Attends, je vais faire une photo. Ah puis elle est pas très grosse, c'est normal, t'as vu, le leurre il fait la moitié du truc.
La petite relâche. Yeah, elle repart bien. Impeccable. Ah, comment tu la décolles? Oui. Release. Ça va être chaud pour les sortir là. Vous voyez. C'est une vieille. Ah, des jolies couleurs. Super, c'est bon. C'est bon, j'ai. Vous l'avez gardé ou pas? Non, non, Rebella, c'est bon, moi j'ai un poisson, ça me suffit. Hein. Ça me suffit. J'ai encore mes macros d'hier, on les a pas bouffés, faut qu'on les bouffe. Oh merde, j'ai tellement peur que ce soit un bar, j'ai même pas mis dans la GoPro. Sérieux, bah, j'ai filmé moi. Bon bah, cette dernière sortie avec Julien, on va essayer de s'amuser un peu, on va faire deux trois petits posts et puis on verra bien. On va essayer de faire un bar au moins, on va voir. Voilà, maître Julien. Voilà, allez. Allez. Et un petit. C'est un pour la dernière. Je suis vite ensuite. Oh merde, mes lunettes. Oh ouais. Mes couilles. Allez, pas ça, ils vont pas nous attendre. Bon bah voilà, on change de poste. Julien il est parti de son côté. On va le voir, je pense qu'il va pêcher en face de moi. Moi je vais sur un petit caillou là. Faire une petite veine de flotte. Voilà. Alors là, on a un petit couloir vraiment sympa. On va essayer, on s'est ramené vite fait là-dedans. Ouh ! Je recule quand même. Oh, on est bien là. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est du pur poste. Hein. Ah, il est bien, il va être bien où il va, Julien là. Regarde ce beau poste un peu. Il vient de casser direct, j'ai eu un truc chiant. Truc chiant là, le premier lancé il casse. Oh putain. Là. Ça c'est le truc qui gonfle. Petit nitro chat de maison là. Toujours la même canne. Très très bien la canne. J'en suis content. Oh la belle vieille. Oh t'es dans la merde. Pour la ramener, tu peux la ramener d'ici peut-être, Julien. Fais gaffe, hein, te vaut trop pas. Ça glisse pas normalement. J'ai pris dans le trou. Hein. Ah ouais, ouais, c'est ce que je t'ai dit. Le coup à la con, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis comme un con. Ah ouais, bah, on va la ramener à la. J'en ai marre de tes postes. Non, c'est le fond. C'est le fond, je suis fait niquer, Harry. Bon, faut la remonter à la main. Hein. Hein y a pas le choix à la main. Non, mais la canne, elle va super. Non, mais à la main, on la. Ouais, ou tu mets ta canne tout droit. Mais c'est ton moulinet qui va morfler. Hein. Oh putain la vache, et ça va toucher. Même pour la remettre. Attends. Depuis là on peut pas. Allez poste à là, ça va péter là non. Le pêcheur de sard celui-là. Regarde le pêcheur de sard. Je peux pas la monter. Tu peux pas la monter? Si, bah, je peux la monter avec la canne, mais je suis trop. Et en mettant tout droit, en serrant un bloc. Non mais si tu. Là tu vas pas la monter comme ça, t'as pas assez de. Fais gaffe à ta canne, tu vas la péter ta canne. Ah, c'est non mais vaut mieux que tu la tiennes ta canne, tu peux pas la mettre droit et remonter Le problème c'est qu'elle prend le. Oh le coup. Elle est belle en plus. C'est pour ça que c'est chiant. Elle a bien gobé, elle galère trop la pauvre. Et comme si. Oh putain. Ça frotte, ça frotte. Ah ouais là, ça frotte, ça va péter. Hein. Tu vois, tu veux que je prenne le fil? Mais je vais pas réussir, vas-y monte un peu au maximum. Ouais, si tu vas-y ramène un petit coup par là. Ah, je l'ai. Ah, faudrait que je prenne le fluoro, après ça serait peut-être pas mal. Ah, ah, putain les doigts, faut pas qu'elle touche, voilà. Impeccable. Ça c'est de la pêche mon pote. La pêche. Heureusement que c'est pas un bar. Oh, la vache. Elle est de toute beauté. Oh, la vache. On peut la remettre peut-être avec Ça fait où hein, pour elle tu bah, vas-y. Gagner, ah non non j'en veux pas. Bon, j'en veux pour moi. Vas-y ben bah, remets-la. Par contre, on va faire une jolie photo avec ta cougar. T'as vu, un sans ça pêche, hein. Bah, bien sûr.
Elle arrivait même pas à se décrocher, quoi. Et les coulisses de Natural Bar Fishing. On voit comment il fait ses photos, c'est génial. Elle est magnifique, la vieille. Avec un petit bobier. Génial. Elle superbe. Elle est belle, magnifique. Elle est superbe. Et puis elle nous a donné du fil à retordre. Hein. Ouais, ouais, hein, c'est cool. Ouais, super. Elle est vraiment belle. Super, super, ouais, super. Voyage, voyage. Plus loin que la vie, elle... Oh putain, elle fait un plat en plus. Non, et elle repart. Hein. Bah ouais, bah tout bien, ça sent très bon. Elle est costaud. C'est solide. Hein. Ah ouais. C'est ta canne, ça. C'est clair. Bon, bah voilà. Je t'ai accroché ta ligne. Putain, ça va, ton nœud et la tenue, costaud. Toute la tenue, hein. Ah ouais, comme quoi. Hein. Ouais, elle est belle. Hein. Génial. Et il va se faire toute la famille, l'enfoiré. Allez, la release. Voyage, voyage. J'en pêche jamais chez moi, donc... Et la nouvelle chaîne qui va bientôt sortir, là. Natural VI Fishing. Natural Cougar Fishing. Ah, il y a un nid, là. Elle l'a gobé, ouais, sans problème. Oh, t'as mis une tarte, non? Je prends la photo quand même parce que c'est marrant. Bah oui. Wouhou! Pick-up! Elles sont belles, les couleurs et tout. Et c'est vrai que les leurres de la lande, ils résistent, hein, parce que franchement, ah bah, ça fait 5 ou 6 que tu fais là. Ça fait combien que je fais? Je sais pas, ouais. T'as... Il enchaîne. Maison de retraite. Pêche dans une EHPAD. Release de Natural VI Fishing. Ça repart comme un petit enfant. Oh, ça me fait chier. Ah, c'est décroché, super. C'est bien. Bah, de mou. Non, non, mais il n'y a pas eu de mou. Hein. Non, elle a mis. Parce qu'elle était en surface, elle a fait un petit saut. Ouais, ça revient au même. Bah, tant mieux. Vachement regarder le contact. Non, mais c'est bien. Mais tu sais, j'ai pêché pendant des années, moi, sans ordi. Hein. Mais pas en mer, j'avoue. Comme je suis un gros viandard. Hein. Bon, c'est la même que toi tout à l'heure, je la vois, elle s'élève bleue là. Allez, tu vois, même j'ai laissé du mou, elle se décroche pas. Hein. Elle l'a gobé ton roller là. Mais bien. Ah putain, j'ai tout pété là, mon moulinet, la canne. Elle va tomber, je vais la. Ah, je vais niquer mon moulinet, ça me saoule. Non, mais je vais la monter comme je fais pour les sarmes. Il y en a, ils m'ont dit que la canne, elle se cassait. Là, par contre, c'est pas bon ce que j'ai fait là. C'est bon, elle est en haut ? Pas encore, mais presque. Ouais. Elle est piquée par le menton. Hein. Ah bah oui, comme celui qui se défasse. Ah bah, absolument, il va falloir leur plier. Tu crois qu'il est plié ? Avec le poids ? Avec le poids, ouais. Je vais les remettre. Les sur les néochats de la taille basse sont un peu light. Ah ouais, merde. Ah non, ouais. J'ai une sale réputation déjà, j'ai une réputation à tenir. Capture, un gros enculé, capture. Bye bye ma chérie. Ouais, viens, on bouge, ça fait chier. Pas envie, surtout que... On galère quand même. Ouais, là, c'est chiant. Ouais. Putain, t'as des embrayés, elles ont eu mal. Elles ont eu mal, la maison de retraite, elle s'est vidée d'un coup. Ah mais c'est Covid ça. Ah putain. Covid. Bon bah voilà, un des derniers postes qu'on va pêcher avec Julien. Donc oh bah, moi je pêche plus, on a galéré ce matin, heureusement il y avait des vieilles. Enfin Julien surtout, il a vidé l'EHPAD. Mais bon, moi on s'est bien éclaté quand même, c'était bien agréable ce matin. Il fait toujours aussi beau, là on est sur un poste qui est magnifique. Donc il n'y a pas beaucoup de place, je laisse Julien pêcher, là on va pas tarder à rentrer. La dernière pêche. Donc voilà. Très agréable, on a bien rigolé là. Ouais, je suis une grosse merde, je suis un killer, je suis un viandard. Moi, je suis du poisson, je l'ai vu. Bon, les vieilles, j'ai un bon système pour leur péter la colonne.
Je la prends, je la remonte au maximum et là je coupe le fil. J'attends qu'elle s'éclate. Et le truc qui me fait plus kiffer, c'est de prendre un bar qui fait 42 tout pile et je le brise. Et je le bouffe parce que c'est les meilleurs. Et gros, j'en ai rien à foutre. Et je confirme, hein, il est vraiment très dur avec le poisson. Ah ouais, j'ai un dur à cœur. Mais il aime le poisson et. Et je le comprends aussi. Non, on s'est bien amusé. Hein, ouais. Ouais, bah, moi, j'ai rien à dire, il n'y a pas beaucoup de poissons malheureusement, mais bon. Allez, on a eu du soleil. Pas même si on est des bons. C'est la mer qui décide, hein, de toute mer, façon. C'est la mer pour tout le monde. Ouais, après, on était peut-être pas toujours au bon endroit, au bon moment. Bon, après, fallait choisir quand même. Il y a quand même, on devait choisir. Mais on s'est éclaté, on a passé vraiment un bon moment ensemble. Sans se connaître, ça fait comme si on se connaissait depuis 15 minutes. On n'a pas eu de. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de blanc, on n'arrête pas de parler. Voilà quoi. Pire que les vieilles que tu as pris tout à l'heure. Pire que les pads. Il n'y a plus eu un seul moment, je me suis pas ennuyé une seule fois. Moi c'est pareil, on s'est éclaté, hein. C'est super. Les poissons, c'est bien. Surtout, le but c'était quand même que tu prennes du sard. Et t'as vu, hein, ça a été le... L'apothéose. L'apothéose, le sard, c'était le... Ouais, ça surtout, c'est super quoi. T'en as remis un quand même, beau geste. Tu en as remis un quand même. Ça, c'était mon petit... Moi c'est pas mon genre, mais j'ai trouvé ça cool. C'est ma petite touche personnelle. J'avais suffisamment comme ça. Non, mais c'est bien, c'est un beau geste. Pour manger avec ma femme. C'était le truc. Bon, je te paierai la crevette. Bah, t'as intérêt. Ah, j'ai pas envie de partir. Ah, bah non, c'est bien. Et donc là, il y a un dernier petit truc que je vais faire, Thibaut. Parce que tu m'as donné deux lames. Ah, ouais, je t'en fous. Et moi, j'avais préparé. Donc j'ai arrêté de pêcher avec un certain leurre. Et moi, je vais t'offrir. C'est prévu que je te les offre. C'était prévu. J'avais un petit. Parce que je pense que la transmission de l'heure. Ah, moi j'ai appris des trucs avec, en regardant tes boîtes et tout, c'est génial quoi. Et on va pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un lien dans une vidéo, si le jour je sors les lames, si un jour tu sors les lames. Ah, j'ai intérêt à faire du poisson avec, bah, alors, d'accord. Tu vas pouvoir faire le. Ah, mais garde-en pour toi, moi j'ai pas besoin, je suis pas grand. Garde-en pour toi, crois-moi, j'ai largement ce qu'il faut. Alors, les speed slim. Vas-y, ouais, super. Je te mets les trois mêmes couleurs. Ah, c'est génial. Ouais, super. D'accord. Super. Merci, Natural Bar Fishing, génial. J'espère qu'ils vont me porter chance, putain. Ah bah oui, j'y crois grave. Là. Le Zang Shad. D'accord. Qui lui est le Shad de côté Zang Sines. D'accord. Et je te mets les deux Zang Sines. Ah, ça me plaît aussi, ouais. Ouais, génial. TP 12 grammes, TP 7 grammes et celui-ci. Tout kiki. TP 5 grammes. D'accord. Je pense qu'il faudrait faire. Là, je l'ai acheté monté celui-là. Bah celui-là, alors. Là. Ouais. Donc là, le mieux, c'est de, si tu veux passer, de changer ta TP. D'accord. Bah, et merci. Bon, voilà. Ah, merde, et la transmission de l'heure a été faite. Voilà. Ouais, super. Et ça pour moi c'est. Ah, c'est sympa. Je suis content moi. Eh, c'est mieux qu'AliExpress là. Regarde. C'est génial hein. Bah merci Julien. Bah moi j'ai rien à te donner là, merde. Si, tu m'as donné ton personnage. Ouais, d'accord, mais bon. Bah, c'est super. Tu m'as donné deux lames. Vraiment bien. Voilà. Super. C'est la transmission. Ah bah, je vais les essayer, c'est sûr. Ah bah oui. Hein. J'ai intérêt à prendre quelque chose, hein, sinon je vais me taper là-haut. Tu as remarqué qu'il en a pris un bar quand même. Ah, c'est vrai, ouais. A pris un bar. C'est lequel que t'as avec lequel Le bar, j'ai pris avec le Dark Knight et avec le Natural Spark. C'est de là. Ouais, d'accord. Putain, tu connais les couleurs et tout, c'est bien. Bah, je les ai apprises par cœur. Super. Dans mon bouquin, sur ma dernière vidéo de présentation. Je t'ai paumé avec les. Ah bah avec oui. Les noms. C'est vrai qu'il y en a tellement. Il est vrai, il est bien. C'est pas des leurres de viandard. Oh merde, ça m'embête. Tu vas le perdre ton poisson. Ça se trouve, je les remettrai, ça que je prends avec. Non mais est-ce que tu fais, tu limes un petit peu. Ouais, non mais c'est bon, ils sont beaux, hein, super. Ah ouais, tu vas voir, et puis là-bas, c'est vraiment super à nager. Et ça, les ondes finesse, moi, c'est ma petite génération 2020. Ouais, ouais, il me plaît. Hein. Ah ouais, tu vas voir, j'ai fait des super sessions grâce à lui. Ouais, il est joli, hein. Ah ouais, et puis solide. Ouais. Ouais, il doit bien planer. On reste sur de la cam solide, quoi, donc... Ils ont déjà mis prendre du poisson, ceux-là. Non, mais j'espère que ça va continuer, il faut pas que je m'accroche, quoi. J'ai pleuré. Ah, merci. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, Thibaut, je pense qu'on peut, amplement clôturer ce week-end. Ouais, ouais. Hein. Et puis, t'es invité, hein. Ouais, je suis invité sur cette terre. Et ça, tu n'enlèves pas de ta caméra. Tu es invité chez moi à Erki. Ouais. Passer le nombre de jours que tu veux et c'est avec moi que tu viendras sur mes spots et te faire découvrir aussi Une autre pêche, quelque chose de différent. Ouais. Hein, okay. D'accord.
Et puis donc, t'es le bienvenu, n'importe quand, n'importe quel moment. Super sympa en tout cas. En marée si c'est possible. Ouais, bah oui. Voilà, il y a du boulot aussi. Et puis d'accord. Voilà, et puis encore un grand merci. Non, bah merci à toi. Allez. Et check. Et salut tout le monde. Hein. Allez, Kenavo. À plus. À plus pour de nouvelles aventures. Voilà, ciao. Ciao. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et puis allez voir dans la description, Julien elle a sorti la même vidéo que, en même temps que moi, mais vu de son côté, donc moi je vais aller la voir, je pense qu'elle doit être super. Et je voulais aussi faire une précision parce qu'on parle beaucoup de l'heure là dans la vidéo, mais je tenais à le dire, c'est, pour moi c'est important qu'on n'est pas du tout sponsorisé, hein, même si on insiste un peu, les leurres de la lande, machin, bah, Julien il pêche avec ces leurres là. Moi, il m'en a donné quelques-uns, je vais les essayer, on verra bien, hein, mais il n'y a pas d'affiliation, moi, dans mes trucs. Même quand je vous mets des liens AliExpress, je touche rien. C'est pas, moi, c'est pas mon but de gagner des sous en faisant des vidéos, tout ça. Je gagne rien du tout. Donc, je fais vraiment ça par plaisir et je veux continuer à le faire par plaisir. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Et je souhaite surtout bon courage aussi à ceux qui sont à plus de 10 km de l'eau. Voilà, moi, franchement, je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation. Et, bah, bon courage à eux, et puis tous ceux qui peuvent pêcher, bah, éclatez-vous. Hein. Allez, à bientôt, et vive la pêche, salut!